Salut à tous les amis, bienvenue sur Winarax TV, bienvenue dans Sans filer le mag, émission 100% tennis à retrouver en podcast sur toutes les plateformes. Vous voyez, on est de super bonne humeur, déjà parce qu'on vous retrouve et parce qu'en plus on est plus d'une heure ensemble et ça vraiment, ça nous met de bonne humeur, Benoît Ah, oh, tu m'étonnes On parlait allergie, c'est pour ça qu'on rigolait. Bah, enfin, euh, pas moi, hein, c'est la chose. C'est Julien Varlet qui découvre qu'il est allergique. Maintenant j'ai les yeux qui pleurent, j'ai les yeux brillants qui pleurent. Ou alors c'est parce que Benoît t'éblouit. Ou moi Beaucoup moins. <laughs> <laughs> c'est le, 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 le vent du désert. Ah peut-être Qui nous vient ah. du Sahara. On n'avait pas de vent au Cap cette semaine, ça allait. T'as roulé bon la moment. fenêtre ouverte Légèrement il a. Ah bah voilà, vraiment pas de eh vent. Voilà. Eh bah voilà. Eh bah, tu eh bah, euh, voilà. savais ouais, bien que t'étais pas un Touareg, toi. <laughs> non, j'ai le crâne qui pèle, d'ailleurs. J'ai le oh. crâne qui pèle. Mais c'est pas une intro, ça Ça se voit pas là Ah si, si, si. Il faut voir crémer, ma biche. Mais je fais que ça. Mais en fait, il a fait, beau, il a fait beau deux, trois jours et j'ai pas mis la casquette tout de suite et pim C'est terrible. Ah. On va vous présenter le sommaire de cette émission. Ce sera donc un max 100% Monte Carlo, évidemment. Qui est le vrai favori de cette édition qui peut créer la surprise On va analyser tout ça ensemble. Ensuite, Julien Varlet vous expliquera comment devenir un expert de la terre. J'imagine que ça va vous plaire, n'est-ce pas Juju, la bonne oh, tactique oui. Elle ah, est simple. Ouais, mais niveau, euh, niveau euh, gentil, quoi. Niveau, niveau point, pour nous. Hein. Non, mais c'est super simple, mais bon. il faut la mettre en place. C'est pour okay. ceux qui nous regardent. Il n'y a pas de ah problème. Ah ouais, mais pour merde, Et ouais, donc tout le monde va le faire. Parce qu'on est plusieurs millions, là. Et les pouces, bravo les loulous. Au niveau des pouces, ça a bien remonté encore hier. Continuez. Voilà on est en moyenne à 700, 800. Il faudrait être à, à 1000, comme ça. 1000. C'était des 250 et des 500. Il ouais, s'est plein venir. de trucs. Là, c'est un Masters 1000. J'espère qu'il y aura plus de monde. Dans la deuxième partie de l'émission, on fera le bilan. De cette semaine donc, l'équipe va distribuer ses tops et ses flops de la semaine. Ensuite, partie pronostic, évidemment, sur les premiers tours du Masters de Monégas qui y en a qui vont commencer dès 11 h d'ailleurs. Match à regarder sur Winamax TV. Monte-Carlo, qui reste ces dernières années quand même un tournoi particulièrement indécis. Alors que nous réserve cette édition 2024 Qui succédera à Andrei Rublev C'est parti ce match. De dire ça. Succéder à André Rublev. Personne n'imagine que Rublev puisse le faire. Bah, il faut ni ni, quand il a gagné. Personne ne l'imaginait non plus. Il y a des petites surprises en ce moment. Juste avant, on va vous rassurer SV va bien, il est juste forfait pour aujourd'hui. Il revient la semaine prochaine et on l'embrasse très fort, SV évidemment. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander donc qui, selon vous, par favori de cette édition, est-ce que vous avez réussi à dégager facilement un favori On va commencer par Julien Varlet. Mmh. Tu as réfléchi longuement ou tu as été euh... J'ai observé, j'ai observé le tableau et j'ai observé un peu euh, ce qui s'est passé. Euh... Après, c'est toujours le premier, euh, le premier tournoi de la saison, donc euh, c'est toujours terre. difficile. Maintenant, pour moi, mon favori, c'est, euh, je dirais Zverev. Je dirais Zverev. Pourquoi Parce que sa régularité est toujours, toujours présente. Il perd en demi à à Miami sur un incroyable Dimitrov et je pense que peut-être que sa surface mineure entre son service et grande frappe ce qu'il a eu pu faire il y a quelques temps à Madrid et ben il dit il dit rien il fait toujours son truc il est toujours dans l'écart les, les demi et je me dis pourquoi pas cette année à Monte Carlo aller chercher on va rappeler quand même les conditions de jeu à Monte Carlo qui sont quand même assez lentes ah, ah oui tu vas me dire que c'est pas comme c'est pas comme à Madrid parce que la mais balle non. est accélérée et rappelle-toi quand il avait gagné Madrid il avait sauvé une balle de break sur toute la durée du tournoi et il n'a pas perdu donc, une seule fois son service. Donc, euh, mais, effectivement, un peu, mais je trouve que on n'entend pas parler et le mec il est toujours là, il est régulier, il est régulier, il, il fait Carignano Alice 2000 là. Et je pense meilleur que... résultat pour Zverev, On rappelle à Monte Carlo c'est deux demi. Il a fait deux fois de ouais, Monte Carlo. Hein. Je me dis que tu sais avec les joueurs qui, qui ont eu très peu de temps de préparation, je pense que lui s'adapte un peu plus facilement que les autres sur euh, sur terre battue. J'oublie bien sûr sa, sa blessure de, de cheville parce que ça, maintenant, c'est vraiment du passé. Et je pense enfin, que. Enfin, euh, sauf qu'à ce moment-là, il jouait quand même le feu de Dieu, ouais, quoi. Ouais, ouais, Mais voilà, moi, je pense que je verrai bien. Quand tu regardes le tableau, j'ai regardé mes quarts et tout ça. Et je me dis que. Alors, certes, il est dans la partie de Sinner. Mais à un moment en note de sortir le gros match, un ou deux gros matchs qui feraient que. Parce qu'à chaque fois, moi, je trouve qu'il fait des hyper en demi. Mais à chaque fois, il fait des super matchs sur, sur Monte Carlo. Donc, mon favori. Je dirais Zverev. On va voir si dans le chat, vous êtes d'accord. Je vous ai fait un petit sondage. Alors, j'ai évidemment mis parmi les favoris Djokovic, Sinner, Alcaraz ou Autre. Donc, vous l'avez vu, pour Julien Varlet, ce sera donc Autre, autre. ce sera Alexander Zverev. <laughs> C'est le favori de cette édition, selon Julien Varlet. Benoît Mélin. Alors, alors, attends, attends avant d'aller sur moi, je voudrais quand même préciser qu'effectivement, puisque tu le, le, le soulignais, euh, les conditions de jeu à Monte Carlo, alors bien évidemment, rien à voir avec Madrid, Rien à voir. Euh, ça, ça, peut, ça peut ressembler à Rome. Euh, ça peut ressembler à Rome, mais les terrains sont de bien meilleure qualité à Monte Carlo qu'à Rome. Euh, mais ça peut ressembler à ça. La Terre-Battue ne sera jamais rapide à Monte Carlo. Non. Si ce n'est peut-être les cours qui sont au-dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est voilà, le club qui est tout en terrasse. Là. Et en fait, le cours central et le cours des Princes sont les cours qui sont le plus proches de la mer. Et c'est effectivement un peu encaissé donc, on va dire que c'est des cours qui sont peut-être un peu plus lents et qui ont moins de rebond que ceux qui sont au-dessus. Souvent venteux Oui, mais les forts, les forts, non, jouent pas forcément, pas plus qu'ailleurs non 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 non. Non, 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 Mais après, je, je suis d'accord avec toi. Soit on a une belle semaine et il fait beau, assez chaud et ça va être plutôt une terre un peu rapide. Un peu rapide. Soit ouais. on tombe un peu, comme ça peut arriver parfois, une semaine un peu. Pluvieuse, mais là, ça, ou va, ça Un va, ça peu va. humide. Et là, effectivement, on n'est plus du tout dans, la dans les mêmes. Et, 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 dans et les surtout, mêmes où tu joues Parce que Zverev, logiquement, il, il devrait jouer son premier match. Donc, il est tête de série, exemple premier tour. Mais il devrait jouer soit c'est Evans ou Hofner, je crois. Il prendrait le vainqueur de ça. Il peut se retrouver à jouer euh, potentiellement sur le cours des princes. Non, pas Zverev. Ça dépend du. du, du eh ben, il est quand même dans la partie de tableau où ouais, tu vas avoir du Sinner, du Medvedev, du Rune c'est pas évident qu'ils te mettent Zverev sur le cours central. On rappelle le parcours potentiel de Zverev, c'est intéressant. Julien Varlet. Zverev, il aura, quoi qu'il arrive, soit Evans, soit Hoffner. Après, on s'attend, sur le papier, à ce qu'il ait Tsitsipas en huitième de finale. a gagné deux fois, on rappelle. Mais ça peut être Echeverry, ça peut être Jarry, parce que bon, là, on a quand même des mecs qui jouent. au premier tour, se passe. Oui, oui, J'ai oui, oui, déjà perdu bon. contre Fabio, il y a peu Sur le papier, sur le papier. Après, ouais. bien sûr, tout est possible. Mais bon, voilà, t y, t y passe. Après, on peut se dire qu'il y a quoi Du Medvedev, du Cherundolo, Dolo en quart de finale Medvedev, là, là aussi, c'est pas simple. Pourquoi pas un mon fils, on sait jamais. Kachanov euh, Kachanov. pourquoi pas un De toute façon, là, les mecs, ils découvrent la Terre. Hein. Donc, euh, on va voir. Euh, après, en demi, on pense à Sinner ou à runeux on... La piche, nous voyez Bas, bon, ça m'a le barré. Ça c'est vraiment une vision très éclairée de notre jeu. Non, <laughs> non mais là, c'est <laughs> gratuit. C'est grat... gratuit, c'est gratuit, mais ça fait plaisir à hein, ma piche. Euh, et donc pourquoi pas, tu vois Sineur, ou une heure. Enfin c'est quand même des gros clients pour arriver en finale sur du Alcaraz, Djokovic, rude. Bon, C'est un tournoi de dingue hein, quand même. Un petit point. Regardez-moi ce sondage, messieurs. Je vais le lire pour ceux qui nous écouteront en podcast. Favori Monte Carlo, Djokovic à 6%, Sinner 25%, Alcaraz 25%. Et c'est autre à 44% pour le moment, qui a donc la faveur de ceux qui nous suivent. D'ailleurs, dites-moi le nom de autres hein, euh, dans, le, dans le chat. Oh. Ça nous intéresse. Mais j'ai vu du Zverev. Ah ouais, j'ai vu aussi du Rublev. Ouais, je veux bien s'y mettre autre qui nous dise qui y, y voit à la rigueur, parce Exactement. que ça serait intéressant. En favori. Hein. En favori. En favori ouais. Un favori à dégager. Il n'y a pas, pas, de non, y voyez... pas de S. Hein. Vous, vous voyez non, que hein. ce n'est pas évident de dégager un favori. Euh, juste Ewen qui nous dit et du coup, cette surface favorise quel joueur en particulier quel style de joueur en particulier va favoriser cette surface à Monte-Carlo On va dire que ceux qui ont des grandes préparations ne sont pas emmerdés. Un Moussetti Sauf s'ils joue sur des petits cours. Pas évident de sortir des petits cours, ça n'a rien à voir. Tu fous Medvedev sur le cours numéro 3, je peux te dire qu'il va gueuler. Un rouneux, ça peut lui convenir ce genre de... Tout à fait. Un rouneux, c'est tout à fait le genre de joueur. Rouneux, pour moi des si Passe Mais c'est sympa aussi d'avoir un beau service. Titi passe, tu peux pas l'enlever, mais c'est vrai que Titi passe, t'y crois plus. Ouais, mais dans quand... ces conditions de jeu où il a plus de temps, ouais. Il a gagné deux fois quand même, il se sent bien. Après, et oui, mais il a le il revers a les à une On reverra humain, ça m'emmerde. On va passer du côté de Benoît Mélin, son favori. Attends, attends, et toi, qu'est-ce que tu dirais, toi alors euh, bah, es, Il est Non, es... non, 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 mais t es, t es, techniquement, qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu mettrais en avant, toi Il faut un gros service de toute façon maintenant. Hein. Après. Tu sais, on dit souvent, ouais, les joueurs qui sont un peu lourds, les grands gabarits sur terre battue, mais à partir du moment où la terre battue est un peu plus lente, ben, ils ont plus de temps pour planter. C'est En fait, c'est, moi, j'ai vraiment ça en tête. À l'époque où j'ai joué Philippe Poussis, tout le monde m'a dit, ouais, Philippe Poussis, c'est un bon tour, c'est un bon tour. Et Arrayon. en fait, en discutant avec mon entraîneur, euh, Julien, certes, il joue très bien sur dur, mais c'est un joueur qui est lourd, mais c'est pas pour ça qu'il joue mal. À partir du moment où les joueurs qui sont un peu puissants et lourds posent les appuis, ils frappent aussi fort, voire deux fois plus fort que les autres. Donc, euh... Moi, je bien souviens, toi, la Coupe Davis euh, 99. dans la ouais. salle euh, bah, je à sais. Nice, c'était bah, une terre battue un peu bah, épaisse, lourde. Bah, quand j'avais préparé mon match contre Philippe j'avais pris ce match-là comme référence. Bah, je peux mmh. dire qu'il t'avait défoncé les Français, et on se disait, c'est pas... Ouais. pas ce délire-là. Mmh, mmh, mmh. Mais tu vois, à, à, comparativement, la Coupe Davis à Monte Carlo avec les Américains, avec Isner, c'était au mois d'avril ou un truc comme ça, il faisait très beau, la terre battue était assez rapide, et euh, ça avait été injouable. Disney avait été un joueur avec son service. Ça prenait quand même un effet de dingue. De toute dingue. façon, après, je vais te dire un truc des mecs qui servent bien, tu les mets en indoor gazon, terre, dur, oui. tout ce que tu veux, ils servent bien. Tu vois À un moment, euh, voilà. Alors, c'est autre c'est surtout Zverev et Tsitsipas hein, qui se. Zverev euh, Pour ce sondage, donc, où Djokovic a quand même gratté, donc 7%. C'est du jamais vu. Djoko hein. euh, à 7%. Pas favor du tout, selon vous, à Monte-Carlo. C'est vrai que c'est pas le tournoi qui lui est fait le mieux. On, on y reviendra après. Ton favori Ça y est, c'est le moment. Benoît, on ne tient plus. Ah, bah, euh, bah moi je suis, je suis un peu. Donc, je suis à 23 comme tout le monde. hein moi je... Alors, il y a cette grosse interrogation, puisque depuis qu'il tape la bouboule là-bas, là, à l'entraînement, enfin, sur ses séances d'entraînement. Il y a ce bandage autour de l'avant-bras droit au niveau euh, vraiment tennis et le hein. beau. C'est marrant, dirait Djokovic. Ouais. Mais c'est la même zone que Djokovic quand il avait mal. Donc euh, tu oui. te dis, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il est vraiment gêné Ça a l'air, hein, puisque les espions sur place nous parlent qu'effectivement, il ne tape pas vraiment des coups droits, il fait des espèces de slices comme ça, il ne recouvre pas. Euh, il n'a pas fait une session d'entraînement à fond, alors il joue revers. Il raccourcit ses entraînements. Voilà. Est-ce qu'il est, il est forcément gêné. Je vois pas le, le, le gamin en train de dire, attends, on va foutre un bandage, histoire de faire parler les gens. Donc il est forcément gêné, ce qui est embêtant, bien sûr. Mais mon, je, si j'oublie, après, je n'en sais rien, bien évidemment. Mais si j'oublie ça, euh, pour moi, s'il y a un joueur sur terre battue qui est et qui, en, et qui le veut, ce Monte Carlo, parce que historiquement, voilà, il il serait Nadal, c'est moi. Et, et sur les mêmes standards pour l'instant que Nadal l'année de ses 21 ans. Oui, et puis, puis, puis il est extraordinaire. Enfin, il, a, il a tout le jeu pour faire mal. Il peut varier, il peut lifter, il peut claquer, il peut envoyer des, des obus. Il a une main merveilleuse, il est bon partout. Il est rapide comme l'éclair, comme un Rafa à son début, parce qu'on l'a déjà oublié. Mais c'est un mec qui va à une vitesse complètement folle. Et, tu... et pour moi, je ne peux pas mettre Djokovic. Parce que pour moi, Djokovic, Monte Carlo, c'est un tournoi de préparation. Il rentre là-dedans, il gagne, il perd, c'est pas grave. Alcaraz, il n'est pas du tout dans la même mentalité. Le problème, c'est ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi Alors, est-ce qu'il va rentrer petit à petit là-dedans avec déjà un premier tour, soit Félix auger Yassim qui ou joue Nardi, Nardi, non. Euh, Nardi. Ça a commencé là. Bon, bon. Ça a commencé. C'est ouais, pas simple pour Félix. Hein. Oh, non, non. Oh, non. Donc, bon, tu dis Félix ou Nardi pour Alcaraz. Logiquement, c'est des joueurs à sa portée, sauf... <laughs> si le mec il peut pas jouer un coup de droit, ça est compliqué l'histoire. Et après, bah tu le vois quoi contre Casper rude mais Casper il me fait peur des fois. Casper il me fait peur. Il fait des trucs très bizarres, Casper. Et après quoi, Djokovic en demi-finale Pas sûr du tout. Ça peut être Moussetti ça peut être euh, Rublev, demi -nord. Enfin ça, ça a l'air enfin, d'être un tableau pour Alcaraz. Qui est, euh, on n'a aucune certitude sur ses adversaires potentiels, quoi. Donc tu te dis bah, si les mecs on sait pas trop euh, et que lui monte en puissance euh, petit à petit avec cette douleur euh, mais je, je suis obligé de rester même pas sur Alcaraz je suis obligé de rester sur avec Alcara. le petit point d'interrogation physique quand même du coup lié à cette, euh, ce bandage sur euh, la qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est parce Ça que c'est n'est pas un petit truc hein. ah oui, bah, c'est qui doit avoir des douleurs c est, c est, voilà à voir Maintenant, c'est est ce qu'il est gêné. Est-ce qu'il fait du Rafa Nadal, c'est il en garde un maximum sous le pied en vue de ses matchs pour lâcher les chevaux et à l'entraînement juste gérer. Tu vois, trouver de la sensation mm -hmm. parce qu'il est prêt physiquement, il est prêt, il est entraîné. Est juste... après, tu sais, quand, on, quand, quand ils sont à l'entraînement là, les deux trois jours, il a dû arriver vendredi, je crois. Vendredi, samedi, dimanche, il va jouer demain, lundi. C'est plus de la, de la préparation, c'est sentir les balles, sentir les conditions. C'est pas des grosses grosses sessions normalement. Il a tapé la boule il... Mais après, on sait qu'Alcaraz, lui, il est parti pour euh, les mois d'avril de Rafa, quoi. Il est là pour Monte-Carlo, pour Barcelone, pour Madrid, pour Rome, pour Roland-Garros. Enfin voilà, lui, il part dans le truc de dingue. Donc on commence peut-être aussi j'ai une petite douleur. On y va doucement, on monte en puissance. L'objectif, après, encore une fois, c'est Roland-Garros. Après, mine de rien, là, en plus, tu te dis que ça peut être faisable. Pourquoi Parce que Monte-Carlo une semaine. Il va jouer à partir de demain ou voir mercredi, peut-être même. Mm. Hop, il peut enchaîner Barcelone. Il va aller Barcelone, il va jouer mercredi. Et ensuite, Madrid, il va attaquer qu'il aura quasiment une semaine de repos. Donc, en fait, tu te dis que, effectivement, moi, je trouve que maintenant, il y a autant de tournois qu'avant, mais c'est un peu moins... Pour les meilleurs, c'est peut être potentiellement un peu moins dense. Tu peux gérer un peu mieux, parce que si tu vas au bout, tu as toujours moins de 2-3 jours de repos entre chaque tournoi, voire plus, entre Barcelone et Madrid. Donc... Euh... Mais Maintenant, c'est voir, voir, voilà, ça va être sur son premier match, voir comment, comment il se sent. Hein. Si on enlève Alcaraz de cette partie de tableau, où il y a donc Djokovic, Rublev, Rude, voilà, on va dire les gros, les gros paquets. Si tu enlèves Alcaraz, Djoko, bon, Monte-Carlo, c'est quand même pas sa tasse de thé, même si là, il s'est vraiment, apparemment, préparé pour commencer la terre battue avec ouais. des repères. Oui, mais il n'y a pas de compète, quoi, tu vois. Et puis, ou, 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 n'oublie pas Orcache, hein, qui est dans cette partie. Oui. Parce que Minervi vient de gagner un tournoi. Hein. Ouais, mais alors là, là, là il, va, ah. il va avoir une petite surprise en arrivant à Monte-Carlo. Hein. Ah, mais ça, je suis tout... Mais ouais, mais après, après, il connaît, hein, il, il vit à Monte-Carlo, il s'entraîne à Monte-Carlo. Ils sont Monte -Carlo. tous, ils vivent tous à Monte-Carlo. 50% des joueurs, 50 pour, 50 pour, 50 pour, 50 pour, entre 40 et 50% pour cent du top 100 vivent à Monte-Carlo. Euh, ils est, sont tous est, chez eux. Est-ce que tu vois... On, euh, ils habitent à côté. On ne peut pas les mettre en favoris, mais tu vois, sur cette partie de tableau, si... On enlève le potentiel Alcaraz. Pourquoi pas un demi-nord ou un rublet ah, demineur, Qui se faufilerait J'y crois pas. Tu sais pas, les mecs sont en telle confiance. Bah, enfin, ah, un bon, nord On fera le tableau ah, oui, ou après. Non, on va faire fait. les outsiders ah. d'abord. Bah ouais, parce qu'en fait, euh, vous allez voir que vous nous dites Mais pourquoi pas Sineur dans le chat Je vous lis, je vous lis. Mais en fait, les Julien Varlet et Benoît Mélin ont décidé de le mettre surtout dans les outsiders à Je J'enlève le petit sondage. Voilà, ce sera autre aussi pour ceux qui nous suivent. Zverev, favori pour Julien Varlet. Benoît Mélin avec ce petit point d'interrogation physique. Mais quand même favori, Carlos Alcaraz. Oh, bah oui. Les outsiders de Julien Varlet. Et tu m'en as mis. On va aller regarder les outsiders de Julien Varlet. Tu m'as mis Sinner. Forcément, bah oui. tu m'as mis Sineur. Bah, bah ouais, parce que c'est un peu lui impérial en je... début de saison. Ouais. Alors maintenant... Mais tu n'imagines pas favori Je ne le mets pas en favori. Je le, mets en, je le mets en outsider juste pour une raison. C'est que je pense qu'il aura une préparation très écourtée pour se préparer pour son premier tournoi. Moi, je te dis, moi on voit un peu plus loin pour moi euh, ça sera Roland-Garros pour lui il vient de gagner l'Australienne ça sera Roland-Garros Monte-Carlo Madrid-Rome voilà ça sera de la préparation mais pour moi l'objectif Rome Ouais. moi je le vois bien jouer je le vois mieux jouer à Monte-Carlo que sur les autres tournois et là je trouve que là je le reste bien sûr en outsider parce qu'il parce qu joue incroyablement bien il a bien joué depuis le début de saison et voilà tout le monde le sait mais peut-être que sa préparation est un peu courte il faut pas oublier je le dis et je le répète à chaque fois les meilleurs là ont un temps de préparation qui est vraiment très écourté. Normalement, tu fais quand même, tu essayes de faire un bloc, ce qu'a fait Djokovic, tu essayes de faire un bloc d'entraînement où en fait tu travailles la glissade qui est méga, méga, méga importante, les adducteurs parce que tu travailles plus les mêmes, les mêmes, les mêmes muscles au niveau, au niveau physique et sur un plan tactique, tu bombes, un, quand même, tu bombes quand même un peu plus les balles, tu grattes quand même un peu plus, il faut avoir plus de, de hauteur par rapport au filet, il faut avoir un peu plus d'endurance. Donc tu vois, normalement... Bah, potentiellement, il faut essayer de faire. Après, tu as des génies quand même, mais un bloc d'entraînement un tout petit peu plus important. Et je pense que c'est un peu écourté pour lui. Voilà. D'autres outsiders pour euh, Julien Varlet On va regarder une nouvelle fois. Bah, Djokovic, parce que pour moi, même si ce n'est pas forcément son tournoi, mais il l'a déjà gagné. Les conditions sont trop lentes pour lui Non, non, ça, je ne pense pas. Non, non. Pour Djokovic ouais. non. non, non, je ne pense pas que ce soit un souci. Mais. Joko reste voilà, c'est Djoko, tu peux pas l'enlever d'un Masters 1000 quoi. Ça Donc moi ça. je le mets, dans, je le mets dans, les, dans les outsiders parce que parce que soit il peut trouver les marques et ça peut être très intéressant, il peut super bien jouer, soit ça peut arriver comme certaines années où et je te développerai après mon tableau où il peut se planter sur un mec un peu un peu un peu chiant à jouer. Voilà. Et ensuite, je mets Medvedev. Alors, pourquoi Mais parce que parce que, Medvedev, ah, parce que parce que je pense qu'il progresse d'année en année sur terre battue et peut-être que là la touche Gilles Simon va encore plus l'aider que sur, sur dur. Donc je mets Daniel Medvedev. Si faut me... Il faut pas oublier qu'il a gagné, il a gagné à c'est vrai, c'est vrai. Donc, as raison ben de le voilà. souligner. Et, non, que, mais... et que si tu mets, si on pense à Zverev en favori, tu, tu te dis pourquoi Medvedev n'y arrivera pas Il a tout ce qu'il faut pour être parfait euh, sur cette surface aussi. Hein. Il a un service à la Zverev, il a un déplacement en défense qui est pour moi au-dessus de Zverev. Euh, il a une intelligence de jeu qui pour moi est au-dessus de Zverev il a une diagonale revers qui est quasiment injouable et, et moi je pense, alors je l'attends sincèrement je veux voir du Medvedev parce qu'effectivement ça partait de bons sentiments même si s'est fait éclater à Miami mais ça part d'un bon sentiment de changer un peu son ambitionnement d'avoir ess essayé d'être un peu plus agressif contre Ciner. donc je suis curieux de voir le Daniel sur terre là avec peut-être ses envies un peu plus agressives qu'il avait à une époque <laughs> Eh ben, voilà, tactiquement je suis curieux de le voir jouer tout en plus que Daniel après tu te dis ça a l'air de rien mais c'est une période de la saison effectivement qui est importante hein. mais c'est pas là où on l'attend Medvedev c'est euh, le dur, mmh. c'est l'Australie on va dire que tout ce qui se passe entre la terre battue ouais. et le gazon bon bah Daniel il y arrive, c'est extraordinaire mais s'il n'y arrive pas on s'inquiète pas pour lui, donc il peut arriver sur un tournoi comme ça en se disant eh. Hey, on peut, on peut s'amuser. quoi. Je ne sais pas, parce que Isabelle nous rappelle que Medvedev n'a jamais battu un Français sur Terre battue Donc, normalement, il est sorti au deuxième tour, nous dit ah. Isabelle. Merci pour ce petit euh, rappel. Ah, si mon fils bat Thompson. Si mon fils bat, bat Thompson sur Terre, bon. Oh faut toujours se méfier de Thompson. Ouais, C'est pas sa surface de prédilection, quand même. Ouais, ouais mais mais il mais... est chiant à jouer hein. Pff, là, là, ça va être un match, ça va être un match qui a duré à 2h30, voire 3h. Là, il va le faire répétition, répétition de coups. Il faut se méfier. Avec sur ça des ça. combats comme ça, tu peux pas enlever l'âge de, de Gaël, mon fils. On est sur une situation. C'est comme surface ça il qui revient à hein. Oui, 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 bien sûr. Mais euh, euh, il peut il peut, il peut, peut la jouer à la terre battue américaine, quoi, justement, en essayant d'être agressif, prenant la balle tôt, pas rentrer dans le manège de mon fils. Mais après, il, il se dit il ne faut pas oublier qu'il commence à être vieux, le Gaël. Donc peut-être que si je l'en Et est il sûr. est quand même est très, sûr. très solide du fond. Sûr. Ah oui, oui. Nous allons parler des Outsiders. Alors, il n'y a ni mon fils ni Thompson dans les Outsiders de Benoît ah bon mais là On y retrouve aussi Novak Djokovic. Hein Toi aussi, tu les as mis dans les Outsiders. Alors, ça interpelle ceux qui se oh disent comment ça il est pas Favot, Novak Djokovic. Bon, on l'a rappelé, c'est pas le tournoi qui lui réussit le mieux. Euh, il l'a lui-même annoncé en, en conf de presse. Mais on le met dans les Outsiders parce que ça reste Novak Djokovic, numéro un mondial. Parce que. Il le gagne en 2015. Parce qu'il est, il est obligé de se montrer. Il est, il est obligé de se montrer là sur les semaines avant, euh, avant Roland garros il faut qu'il redevienne le mec qui fait peur quoi qui, qui, quoi, qui vole les âmes il faut qu'il faut qu se remontre parce que on a un match déjà il n'a pas beaucoup joué mais il y a ce match là contre Sinner en demi-finale de l'open dAustralie qui est quand même bizarre euh, euh, il y a cette séparation de, de tout ce petit clan qu'il avait autour de lui depuis bah, très pour longtemps ça que donc, à donc, de voir là. Ouais. C'est quoi sa volonté, et ah, Puis il perd sur Nardia, ouais, 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 à Indian Wells quand même. Tu vois, donc à un moment, c'est moi, je veux bien hein, que il y ait les Jeux Olympiques et tout ça, mais 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 quand t'arrives aux Jeux Olympiques, il faut que tu prouvé que sur un format de set gagnant, t'es un mec hyper dangereux, quoi. Si Djokovic, il remporte rien euh, d'ici, euh... enfin c'est inenvisageable. Enfin c'est Djokovic, quoi. Et je ne peux pas croire que le mec, il est là en vacances tranquille. Bon, attends, on y va. Il, habite, il habite à côté, mais après, ça reste un Non, mais tu as un compétiteur, es compétiteur de. C'est comme Rafa, hein, je peux dire que c'est des mecs-là. Bah, bien sûr. J'ai adoré d'ailleurs ce qu'a dit, je crois que c'est Connor ce qui a dit ça. Pour bon, une fois, qui, 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 je suis assez d'accord avec ce qu'il raconte. Connor se dit, mais euh, même lui aussi, quand il était sur la fin de sa carrière et qu'il sentait que physiquement, il n'était plus là, mais tu dis, mais on, on est des bêtes. Et, et à partir du moment où on rentre sur le coup, on n'a qu'une envie, c'est d'y arriver. Et si ton corps ne te permet plus de, tu deviens fou, quoi. Parce que c'est toujours pas... envie. Quoi. Je fais juste une parenthèse. Je, je, je serais. Comment doit le vivre Nadal actuellement de potentiellement que faire de l'entraînement depuis six mois Mais les mecs, ils doivent péter une durite. Ah ouais. Mais, tu, puis, tu, mais ça tu le fais chier. Tu, mais à un moment, note l'entraînement, c'est bon, quoi. C'est pas parce qu'il va refaire deux heures de plus en, en mettant des coups de roi à l'assaut que son coup droit. Tu vois ce que je veux dire à un moment, c'est putain, c'est. Tes compétiteurs, c'est les matchs, c'est faire des matchs. L'entraînement, oui, il, est... il en a plus besoin. Ça fait 30 ans qu'il joue au tennis, le mec, il n'en a plus besoin de faire ça. Donc il doit vivre. Il doit... Ça doit être très, très compliqué. À vivre là, moi, moi, après ma première intervention à mon niveau, j'ai essayé de rejouer. Très... Mais je n'avais pas envie de m'entraîner. Moi, c'était faire des matchs. Mais quand tu n'es pas prêt physiquement, qu'est-ce que tu veux faire ouais, C'est ça. ça le problème, quoi. Mais bon, bref. D'où que tu peux... Non, mais si, c'est intéressant parce que tu rajoutes ça à Djokovic. Pourquoi Djokovic vire. On va dire pas l'essentiel, hein. les préparateurs physiques et tout ça, ça reste les mêmes, mais il n'y a plus Ivan Isevich qui apparemment. Voilà, il y avait un, un, petit, un, petit, un petit problème entre les deux, ils sont toujours potes, mais voilà, ça ne ça, ça fonctionnait plus. Parce que peut-être qu'Ivan demandait encore à Novak d'être mmh. euh, le Novak d'avant et que Novak, ben, bah, il a peut-être plus cette. Fla... Lui, c'est pareil, Enfin, il joue très peu, donc ça veut dire je vais m'entraîner. Novak Djokovic à l'entraînement tous les jours, à faire les gammes, sans arrêt, quand tu as tout gagné. Tout gagner. Puis, puis répéter ce Et que Répéter, tu fais des répéter. Années, des répéter. Et donc ça veut dire quoi Putain. Donc, j'ai envie d'avoir un mec. Ça me fait penser à Meuret quand il avait pris le petit mec là, euh, comme entraîneur, là, l'autre le, 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 qu'on aime pas trop d'ailleurs. Valverdou Valverdou. Parce que c'était un mec avec le qui justement, porter, de qui ça. avait à peu près son âge, avec qui il faisait des jeux vidéo, machin, mais ça parlait pas tactique, ça parlait pas pression. Là, il s'est pris son petit Simonich qui est bien évidemment un mec qui a été très bon. mais C'est son ami. Quoi. Voilà, c'est un pote. Donc ça veut dire. je c'est étrange hein, comme message qu'il lance là en faisant ça, parce que tu dis mais attends 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 où tu vas C'est quoi le truc Parce que si tu prends pas un mec et des derrière qui te poussent, qui t'engueulent en disant mais putain qu'est-ce que tu fais machin, quand tu Tu dis non, j'ai plus envie de ce ouais, discours-là. Moi j'ai envie d'un pote. Ah bon Un pote, un pote, un pote, ça va te pousser ça Un pote Ou alors quoi Zimonjic, très très bon joueur de double. Est-ce que c'est pareil aussi Tu veux. Euh, et comme Medvedev, comme tous ces mecs-là, comme comme Saffine à son époque, qui disait, bon ben moi j'en ai marre, je vais venir vers le filet pour raccourcir les échanges, pour pour voilà pour avoir autre chose. Tiens tiens je vais m'amuser en faisant autre chose. Et je veux voir Djokovic. C'est pour ça que je ne mets pas en favori parce que déjà bon Monte Carlo c'est jamais. De toute façon la, la, la discussion ah, la gagner, tu vois par exemple moi je... tu sais quand quand entraînes quelqu'un. Euh, si la personne vient te voir, c'est que potentiellement déjà elle a un minimum de confiance en toi. Et moi, ça a toujours été la phrase c'est qu'est-ce que t'attends Tu veux quoi Et tu te mets après à la, à la hauteur des attentes et des de, de, de ce que veut ton joueur ou ta joueuse. Tu veux être numéro un mondial, d'accord, c'est comme ça, comme ça. Alors, j'ai jamais entraîné un top ten, mais quand tu pars de très loin, bah c'est ça, ça, ça qu'il faut faire. Tu veux juste, comme j'ai des petits à l'académie, aller juste aux États-Unis, être 0-2. Mon discours va être en fonction, je vais pas te mettre une pression monumentale, je vais pas être derrière ton cul pendant H24, si je sais que pertinemment, ça, au contraire, ça peut faire exploser. Et c'est exactement le même, le même discours avec des mecs forts. Qu qu'est-ce qu que, ce serait intéressant, il ne dira jamais, qu'est-ce que souhaite Djokovic là c Les jeux. Il veut les jeux. C'est ça. Euh... Il veut les jeux, Novak. Tu as des mecs, c'est s'adapter à ton joueur. Tu as des mecs qui ont besoin que tu sois derrière mmh. leur cul. Et tu vois... Et je le dis très tranquillement et honnêtement, on s'entend super bien de ça. Et ben, au début, j'avais Tito Androgué quand il était à l'Académie, qui était 400, 450 qui est là à 150. Et ben en fait, mon discours ne collait pas. Pour moi, il fallait qu'il y ait une exigence. Et mon discours était trop. Et tu peux pas t'adapter aux joueurs Si, il faut s'adapter. Mais à un moment ou à un autre, quand tu es 450, tu ne peux pas ne pas avoir une exigence monstrueuse si tu es top 100. Quoi. Mais voilà, mon discours ne collait pas. Donc, un autre entraîneur, ça se passe plutôt bien il est 150, très bien. Donc voilà, mais qu'est-ce ça... Qu que la... veut la personne en face de toi, quoi ?– Après, je vois que vous parlez beaucoup de Dimitrov, faites attention, parce que bon, alors, il a logiquement un premier tour euh, largement à sa portée contre le... le monégasque Valentin Vachereau qui est en feu, mais bon, il quand même Dimitrov, voilà, c'est Dimitrov. Dimitrov ouais. hein. euh... Et après, il a une partie de tableau qui est quand même super chaude, quoi, parce que derrière, c'est soit Kekmanovic, soit Berettini. il y a du rouneux ensuite potentiellement, pourquoi pas, vois, pas sur du Sinner, pour arriver sur exact, du Zverev ou du Medvedev. C'est exactement la même chose oh. pour Sinner. Il a un talent, et on l'a encore vu au Miami, mais est-ce qu'il va être capable de transposer son jeu, son jeu tout de suite sur terre C'est ça. Il faut peut-être un temps d'adaptation et un peu de match, et un peu là, là, pour le coup, un peu de volume de jeu sur terre battue pour pouvoir transcrire. Même s'il a son talent de dingue, et... mais son revers à une main, je suis désolé, on revient là-dessus... Tu vas voir, quand il va jouer les, 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 mecs, les mecs lourds. Dimitrov Oui, ouais, je parlais de Dimitrov. Ah oui, c'est son... des C'était parti sur Sineur, donc j'ai non, pas... non, 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 je parlais ouais. de Dimitrov. Je parlais de Théor de Sineur. De Dimitrov, ouais. Dimitrov est-ce qu'il va être capable de retranscrire tout de suite son jeu rapidement sur Terre, comme il a pu le faire ces dernières semaines sur Dur Rouneux, tu en parlais, tu l'as mis dans tes Outsiders, et c'est un nom qui ressort aussi énormément, Olga Rouneux. Qui devrait apprécier ces conditions. Benoît le rappelait en tout début d'émission. Parce que. Je, enfin, je ne sais pas si on va les si, 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 revoir, mais ces trois mecs-là, pour moi. T'as mis Zverev aussi, ouais. oui. mais comme le dit Juju, il y a du volume de terre. Enfin, les mecs, on, on, on en bouffait, quoi. Bah, regarde. Et ils se sont, sont construits là-dessus. Tu vois, tu vois, Djokovic, en plus, il n'a pas fait Miami. Donc, on sait qu'il s'est préparé quand même arbre. Donc, ouais, il aura il quand même joué. Roneux, il a Miami. perdu assez tôt à Miami. Il a pu se préparer quand même un peu plus. Donc. Euh, et Zverev. Je pense que son jeu se met beaucoup plus facilement sur terre. Mais bon. Et Rune, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout y a ce qu'il faut. Ce... Bah, demi-finale euh, l'an dernier. Mais c'est un ouais. mec... Euh, c'est un mec sur... Oh, parce que, autant tu finale. me le mets non, sur non, un match non. au meilleur des 5-7... Autant j'ai encore des doutes sur sa capacité de concentration sur des matchs aussi longs, quoi, pour rester vraiment tout le temps comme des sineurs, des, des Alcaraz qui sont, mais c'est fou ce qu'ils arrivent à, à s'enfermer, se verrouiller, se blinder mentalement. Je pense que on, il n'y est pas encore à ça, mais sinon le jeu mais pour sur terre, bien sûr. -ce qu il, qu il, qu il, moi, ce qui m'impressionne, c'est comment il casse la balle quand il frappe en courant. C'est dingue. Ça fait un, c'est avec là, une marge de sécurité. J'ai revu encore des vidéos là parce que je le suis et tout ça, et donc maintenant. Ce qui est quand même intéressant aussi quand tu n'es pas au contact tout le temps avec eux au bord Final du cours. Final l'année de dernière, c'est ça, pardon parenthèse. Mais euh, bah oui, parce que c'est contre ouais, rublet. Contre qui... Et, et, euh, et c'est cette qualité de balle qu'il a en couloir, les appuis qu'il met. Oh, c'est phénoménal. Donc Rouneux, forcément outsider pour Benoît. Mélin, voilà pour la présentation de ce tournoi. <laughs> C'est la terre battue qui est venue jusqu'ici. Ça m'a coupé la gorge. Et le Casper, tu vois, il y a Baptiste qui demande. On le Casper, bah, il est là. Il est là. Il est là, mais. Il est là, mais il fait des trucs. Moi, ouais, j'ai l'impression euh, qu'il fait, euh, fait moins mal, de là. Mais bon, bah, mal. Pourtant, il fait un bon début de saison. Oui, mais il, il, il dit qui doit être plus agressif qui doit justement se réinventer un petit peu par à ça prendre la balle plus tôt ne pas s'enfermer derrière sa ligne à attendre la balle descendante ok mais il le fait et il perd en plus il se prend des clics des claques quoi parce que logiquement c'est lui qui doit passer et eh bah ben, non et il est là il attend ah, merde Kasper t'attends quoi je sais pas c'est il va regarder la var de Varlet parce que maintenant c'est les conseils du coach comment expliquer ah. comment devenir un expert de la terre, c'est parti la var de Varlet. Regardez bien si vous allez faire non. des petits tournois sur terre Alors, là, vous bientôt. allez voir, j'ai fait, fait il y a à peu près 10, 10 slides mais c'est très très simple. C'est un vrai cours. Ouais, c'est juste pour vous expliquer un peu ce qu'il faut faire. Quand vous êtes effectivement sur, sur terre battue mais la règle est simple mais voilà je vous décortique bien le, le truc pour bien, pour bien le comprendre on va afficher donc qu'est ce que j'ai fait parce que ça va être potentiel la, la potentielle finale T'as pris des joueurs lambda de... non mais c'est la potentielle finale <laughs> de, de monte carlo dimanche donc euh, sauf si notre ami alcaraz a vraiment mal au bras mais moi c'est m'afficher un peu mon tableau avant si tu nous donneras ton tableau voilà. après donc voilà on est sur terre battue alcaraz je vous le transcris en coup droit et après je l'ai fait aussi un petit peu en revers comme ça vous comprendrez Alcaraz, bim, rentre dans le coup de droit de Zverev, que doit faire Zverev Il est en défense, où doit jouer Zverev Je vous donne une question, et après je développerai. Euh... Là, dans ton carré, là Là, il est là, ton carré. Hein. Oui, bah, bah, oui, parce que c'est zone fond de Alcaraz Al a joué Zverev, est un peu loin, il est sur un coup de défense. Il est sur un coup de défense ouais. bah, Moi, je fais un non moi, je fais, un, je fais un croisé avec une, une suffisamment de marge de sécurité, bonne longueur de balle, Moi, pour empêcher Alcaraz de rentrer. D'accord. Donc, Benoît a entièrement raison. Tu as bon. complètement faux, Marie. J'explique pourquoi. <laughs> non, mais, non, mais c'est intéressant. Parce que c'est un que, coup de défense. Non, mais parce que, dans l'absolu, tu te dis, vu que l'adversaire est côté coup ah je bah vais rentrer ouais revers. Eh ben non, je te montre. Donc, ça, le coup est fait. Hop. Deuxième. Ah Marie. Bah. bah oui. Tu fais ça. Je fais ça. Mais ce qui est une énorme erreur. Okay. Je t'explique pourquoi. C'est une énorme erreur. Pascal qu'Alcaraz, hop, il va venir dans le revers. Qu'est-ce qu'il va faire Il va te jouer complètement croisé. Parce qu'à partir du moment où tu joues cette frappe longue ligne, tu ouvres complètement les angles. Mmh. Ça veut dire que l'adversaire, et donc l'Alcaraz, encore plus un joueur comme Alcaraz, tu ouvres, il ne faut jamais jouer longue ligne sur terre battue. Jamais. Tu es en défense, tu ne joues que croisé. Ça, c'est basique. Je t'explique. Donc, un il rentre dans mon revers. D'où la fameuse patience sur terre battue. Et je te montre qu'est-ce qu'il va faire. Deux, il peut venir, donc j'ouvre les angles, j'ai joué long ligne, il peut venir soit croisé, soit dans mon long ligne et puis hop, si le mec a un peu de main, il peut venir sur l'amorti, bien sûr. Ouais. Donc là, je suis complètement, Zverev est complètement déstabilisé au niveau de son jeu de jambes et amorti croisé aussi. Donc en fait, si tu joues long ligne sur terre battue, tu ouvres les angles à l'adversaire. Première chose. Deuxième chose, tu joues long ligne sur terre battue, c'est quand même, et même sur dur, la distance la plus courte. C'est là où tu peux moins te lâcher dans ta frappe. Donc tu prends plus de risques. Donc potentiellement, un, tu fais plus de fautes, et deux, tu ouvres plus les angles à ton adversaire. D'accord Donc on continue. Qu'est-ce qu'il faut faire Voilà. J'ai gardé ta zone noire. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Tu es en défense, tu joues croisé. Le plus possible. Le coup droit, très long, croisé très intéressant et encore plus si tu arrives à placer un court croisé là tu peux reprendre l'avantage dans en en défense en défense oui mais comme si tu, tu c'est comme si tu joues un passing court croisé ou alors d'accord mais il prend la balle tôt quoi il a l'avance voilà. il prend la balle tôt mais, il, joue mais, mais voilà. là, il joue court croisé donc là s'il joue court croisé Alcaraz il fait n'importe quoi il peut te faire de l'amorti <laughs> Il ouais, peut te défoncer la gueule. Avant, avant qu'il qu coupe la trajectoire avec ça. Mais tu me dis de parler aussi aux gens lambda. Ah non. ouais, 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 ouais. Bah tout Moi je, moi, et je, bah rejoue, moi, je tout rejoue long. Et les, les, moi je suis lambda. Hein. Les gens lambda, ils vont pas te faire amortir, court-croiser. Non, euh, non, mais moi je fais pas. Bah, après, si, si le, 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 le Carlitos m'attaque sur le coup droit, bon déjà je vais à l'hôpital. Mais si, si le mec m'agresse comme ça, je, je rejoue long, le plus long possible bah pour l'empêcher bah, de rentrer. Tu as entièrement raison. Donc pour deux raisons. Un, tu frappes potentiellement moins la faute parce que je t'ai dit que c'est la zone la plus longue sur le cours, donc tu peux te lâcher un peu plus dans ta frappe. Ok Ouais. Deux. C'est passé que... à l'endroit du filet est... qui est le plus bas, donc ouais. en plus tu grattes, c'est de la terre battue. C'est ce que j'ai mis, la petite flèche jaune, ce qui te permet, à partir du moment où tu joues croisé, naturellement ton corps va te ramener vers le centre du terrain. Et donc, automatiquement, eh ben tu te replaces au centre du cours. C'est pour ça que j'ai assuré. Tu vas hop, frais faire ton coup, hop, tu te replaces au centre du cours. et donc là, avant que le mec, il puisse t'agresser, quand tu as trouvé la zone, la zone très croisée, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Question d'histoire de lire. Et tu peux pas jouer longue ligne avec une balle très bombée C'est interdit aussi. Alors c'est faisable, mais alors là, faut maîtriser un peu. Le... Là, tu rentres dans un truc pour maîtriser. Mais si tu rates un tout petit peu la zone, c'est ce que je vais montrer après. Je vais te montrer un peu après. tu t'ouvres les angles. Si tu veux jouer longue ligne. Alors que tu es là-bas en coup droit, putain, il faut que tu mettes ta balle sur une pièce de 2 euros parce que dès que tu raccourcis un peu, et comme je dis, tu peux moins te lâcher dans ta frappe. Donc tu as peut-être tendance à rater ou à jouer plus court. Et, et, et là, c'est Zeref qui n'est pas un lifter de folie. Tu joues un mec hein, qui euh, maîtrise le lift comme un dingue, peut-être qu'il va réussir. Mais la marge, de... il, il peut pas jouer la ligne, donc il, il, va, il, il va, il va, s'obliger une marge de sécurité pour jouer comme ça son coup droit là. Donc derrière, il y a trop d'angles, trop d'angles ouverts. Bah, c'est surtout ça, c'est que ouvres c'est la base, ouvre les angles. On continue, on développe. Hop. Hein, Attendez, hop. Donc je, je retranscris, je fais un peu plus court. Revers, même chose. Et j'ai mis un petit rectangle là. C'est la zone à surtout pas jouer quand tu joues. Dis bien interactif. on sait pour ceux qui vont nous suivre en podcast. Bah, celui qui est Alcaraz, le petit pointillé qui est juste devant, j'ai fait un rectangle. C'est la zone à ne pas jouer. Pourquoi Parce que quand tu joues un adversaire qui commence à faire le jeu avec son coup droit, c'est la pire zone. Parce que lui, là, tu lui ouvres les angles et il peut jouer un peu où il veut. Donc, quand tu es dans la diagonale, c'est trouver les deux rectangles roses, c'est les, les, les zones les plus importantes sur ta battue quand tu es avec ton revers. Et c'est exactement la même chose en coup droit, c'est que tu enfermes un peu ton adversaire dans la diagonale, ce qui te permet, une fois de plus, de te recentrer au milieu, au milieu du cours, comme j'ai assuré un petit peu tout ça. Donc, tu es en défense, tu as joué dans ta diagonale, ce qui te permet de te recentrer. D'accord Sur terre battue, quand je suis derrière ma ligne de fond de cours, je ne joue, je ne joue que croisé. Alors, c'est très basique, c'est très con, mais après, il faut avoir la rigueur mentale de répéter ça. C'est ce qu'ont les meilleurs joueurs. Et quand tu regardes en, les spécialistes de terre battue, pas forcément des joueurs très très forts, mais les Argentins, les Sud-Américains, bah, les, Sud les Espagnols, ne font que ça croisé, croisé, croisé. Mais même, historiquement, si, si vous regardez les, les, les matchs de, de Nadal à Roland-Garros, il va jouer l'onzinien, ou ouais. même Djokovic, à ce ouais, prime, fait. mais pas tout de suite. Mais... Parce que c'est trop dangereux. Et, et ils le font plus rapidement quand ils vont jouer, par exemple, quand, si, je sais pas moi, même un Sinner, à un moment, va, va peut-être le tenter très vite, s'il si joue un mec comme Alcaraz. Parce que si jamais tu rentres dans le combat du fond de court, tu sais que le mec, potentiellement, va te faire reculer. Quoi. Et toi, le but, les mecs comme Djokovic et Sinner avaient toujours cette volonté de s'approcher de la ligne de fond de cours pour dicter, pour trouver des encours, alors que Nadal, avec sa puissance, son lift, il n'en avait pas besoin, il te faisait reculer. Et à partir du moment où tu étais, étais en recul, <laughs> il te faisait, <laughs> parle au passé. <laughs> On a Max Pastoré qui me dit merci, je, je, je me sens prêt à tabasser ah ben... Carlitos avec tous et ses conseils. Et donc, dernière chose, je reviens, je suis en défense, je suis de derrière ma ligne de fond de cours, je ne joue que croisé, sur terre battue, je n'ouvre que le jeu. Quand je suis à l'intérieur du terrain. Donc, j'ai mis qu'une balle, mais ça peut être un peu plus côté revers, côté coup droit. Mais quand je rentre à l'intérieur du cours, c'est qu'à ce moment-là où je peux ouvrir. Donc, j'ai fait les amortis et la zone coup droit, la zone revers. Voilà. C'est très basique sur terre battue. Et vous pouvez le retranscrire jusqu'à un certain niveau aussi. Sur dur, je suis derrière la ligne de fond de cours. Je ne joue que croiser les, les zones les plus sécures et les zones où je peux plus, plus me lâcher. Par contre, dès que je rentre un peu, je prends l'avantage dans le jeu. Je pose un peu mes pieds à l'intérieur du terrain. Là, je peux ouvrir le jeu. Voilà. C'est la règle de base sur Terre. On a Dsch sur YouTube qui nous dit c'est très intéressant, merci Juju Mais tout change avec un gaucher. J'en sais quelque chose pour en user et en abuser ah bah au oui, quotidien. Oui. Ah bah alors là, mais moi j'aurais rêvé d'être gaucher. Le gaucher effectivement, lui, va faire le jeu avec son courroie. Mais tu vois, il y en a beaucoup. Ouais, je joue un gaucher. Mais moi, j'adorais, je voulais gaucher parce que tu as aussi un avantage sur le gaucher, c'est que naturellement, tu vas pouvoir faire plus le jeu avec ton courroie. Donc tu peux l'enfermer, comme je, je reviens là. Oui, parce que attention, hein, euh, euh, pensez pas à Nadal. Hein. <laughs> Non mais, non, mais là, là c'est bon, autre chose. C'est hein. un autre monde. Tac. Tac. Regarde, tu joues un gaucher, t'es droitier. <laughs> Ta zone, ouais. c'est exactement la même. Et encore, tu peux faire encore un peu plus mal parce que naturellement, le gaucher va recevoir une balle plus difficile côté revers avec un, avec un, avec un droitier. Donc, qui l'utilise, il a entièrement raison. Mais moi, j'adorais jouer les gauchers parce que ton coup droit, si tu arrives à faire le jeu avec ton coup droit, tu l'enfermes dans son revers naturellement. C'est plus dur d'aller long de ligne que d'aller croiser avec ton coup droit. Et tu vois, et, euh, parce que bien évidemment, on pense à tous les meilleurs qu'on voit jouer tous les jours, c'est pour ça que là, c'est super intéressant, parce que quand vous regardez mon fils sur Terre battue, et c'est pour ça qu'il le dit, hein, sans arrêt, que lui, la Terre battue, bon, OK, il aime bien, mais ce n'est pas, pas sa surface, parce que quand il est comme ça, bah souvent, il délivre un coup neutre. Alors que les spécialistes de Terre battue, s'ils sont un mètre à l'intérieur du cours, je peux te dire qu'il n'y aura pas de coup neutre. Ils vont faire un petit coup un revers comme ça pour relancer l'échange. C'est pour ça que souvent on engueule mon fils en disant Mais putain, là t'aurais dû tenter quelque chose quoi. Et c'est important. Si jamais vous êtes à l'intérieur du cours, prenez le risque. Prenez le risque. Sinon. C'est une mais... surface qui te force aussi à beaucoup plus construire ton point que ah, les autres. Bah logiquement, parce que de base elle est potentiellement un petit peu plus lente. Donc Et puis, et puis il y a quand même une chose importante sur ta battue que alors, les meilleurs font aussi, et maintenant de plus en plus les jeunes. C'est que sur terre tu peux compenser ton déplacement un peu parfois par la glissade. Par la glissade, ouais. Ce que tu ne fais pas, tu vas tu pas avais fait te... une varre sur la glissade. oui Tu vas pas faire, tu vas pas faire des glissades sur quick, quoi. Tu vois, j'ai. Non mais je, te, je, te dis, j j je me suis un peu énervé avec un, un garçon que j'entraîne cette semaine. J'étais à un tournoi à Mugyo, à côté de Montpellier. Il passait son temps à glisser sur quick. Mais je lui dis, mais à un moment ta chemise elle est bloquer, mais tu vas te faire. Donc euh, voilà, tu peux aussi compenser par ta glissade sur, sur terre. Mais donc pour revenir et simplifier. Vous êtes derrière la ligne de fond de cours, je joue croisé. Je rentre à l'intérieur, là je peux ouvrir le jeu. Voilà. Merci Juju pour tous ces conseils. N'hésitez pas à appliquer ça en match et nous dire comment ça s'est passé aussi. Nous, on va maintenant faire le bilan de cette première semaine sur Terre. Qui vous a impressionné Qui vous a déçu Challenge On va commencer par le top de Benoît Mélin, top partagé par G-Machine L'ensemble de ceux qui nous suivent et nous aussi autour de ce plateau, c'est évidemment Matteo Berettini. Ah oh ben, vous... Ouais, ouais, mais il y en avait plein, hein. de toute façon. Il y en propre. avait plein, mais bon. Je te l'ai envoyé rapide parce que je me dis, oh, bon, Berettini, même s'il perd la finale, c'est quand même complètement dingue. Parce que c'est. Moi, j'avoue qu'il me, me. Il me scie un petit peu quand même, le, ta... le Matteo. Parce que le mec qui, quand même, sa blessure. je vous souvenez de cette blessure qu'il se oui. fait à l'US, là T'as peur, hein Et euh, il joue pas, il essaye de revenir au début de la saison, il sent qu'il est pas bon, il arrive euh, sur Phoenix, le challenger, <laughs> ouais. en se disant, allez, je me remets en selle, voyons un petit peu comment... comment je... Le mec va quand même jusqu'en finale. Bon, il perd contre Borges, mais il va en finale. Qui, qui joue vraiment bien en ce moment. Qui est super oui. solide. Après, sur des mecs super solides, hein, parce que Borges, vraiment, c'est solide. À Phoenix, en plus, ça allait vite. Derrière, il va sur Berettini euh, pardon, sur Murray, il perd d'entrée, c'était à Miami, ça 3-7, accroché. Mais le mec, remet, tu toi il repart dans le, dans le combat, dans les matchs intenses et tout ça. Et là, quand même, son parcours. À, à, à Marrakech À Marrakech, il est. Euh, moi, il, il moi, quand, Parce que, merde, déjà, Tchenko, tu sais jamais, c'est bah, un mystère, bon, donc Chienko tu sais pas un ce un qui se euh... passe. Mais il le fout droit, 6-2-1. Mounard. Oh putain, l'angoisse. Bum, 3-7, il perd le deuxième. Tu sens que physiquement, il, il, il est là, quoi, tu vois. Il n'est pas, il, il pas fatigué, quoi. Le mec, il est bien. Son tennis est en place. Il a ce service de dingue avec une terre battue qui petit à petit séchait, devenait plus en plus, en plus rapide à Marrakech parce qu'il a, il a vraiment fait chaud. Et là, boum, le Sonego, Sonego, c'est pas simple, Sonego, il le passe en deux. Derrière, Navonnet, oh, oh là la, la, la place italienne, il ne passera pas parce que le mec, il est perdre. en feu. Bum, il perd le premier set au tie-break. Tu dis, wow, oh putain, il n'y arrivera pas. Bum, il l'éclate. Et, et, et la finale, Carabales Balena, non y... J'avais quand même annoncé est fou, Carabales Balena, vainqueur de Marrakech. J'étais pas loin. Il hein. bon, était tenant Dimanche du titre. Dimanche dernier. Ah mais, réédité. Moi, j'avoue que c'est très fort de sa part. Le mec n'avait pas gagné depuis le Mais le toi, c'est physique. Tu espères que ça va tenir, quoi non non, 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 c'est pas physique. J'ai peur qu'il se blesse. Après, bah oui, physiquement, il est prêt. Est non, mais, mais moi, voilà. c'est. ce bah, que physique, physique va tenir hein. quoi Non, mais c'est le dessin du Derzo. Moi, je, 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 je le foutrais en permanence en chef du, du, du baba au rhum euh, d'Astérix et Obélix. Parce que le mec, il a, pas, il, il a des cannes toutes minces. Et c'est un mec qui fait plus d'un mètre 90. Hein. Mais c'est surtout vois, les le, le, le cuisseau, ça va quand même. Il y a des bonnes cuisses. C'est le mollet, mollet D'ailleurs, il y a son petit frère qui a fait demi aussi. Jacopo, vrai. Euh, Jacopo. Mais voilà, et donc, il est, il est revenu dans le top 100 très rapidement. Il est aux alentours de la 85e place mondiale. Puis, attends, là, en espérant qu'il se blesse pas, il y a le gazon qui arrive derrière, assez rapidement. Donc, euh... donc bravo à lui, vraiment. Les tops, parce qu'il y en a alors, deux, de Julien Varlet, c'est Urquat et Shelton. Juste parenthèse, mais c'est vrai que les trois premiers tournois sur terre masculin, là, on a trois gros serveurs. Eh et bien, et ben, mon... en fait, c'est mon top c'est ça que j'ai trouvé super alors ah, oui fait. et non parce que t'as quand même la, la tournée sud-américaine mais ces mecs là vu que c'était pas vraiment la saison sur terre ouais. ils ne sont pas allés mais ce que moi j'ai mis un top voilà effectivement Orca et Berettini. pourquoi je trouve ça hyper intéressant sur les 3 250 euh, 3 250 qu'il y a cette semaine sur terre alors Houston c'est un peu différent c'est une, ouais. une terre rouge mais américaine qui est quand même un, peu plus, dure, un peu plus dure voilà mais bon mais en attendant, il faut aller chercher le, le tournoi. Et je trouve hyper intéressant, et je sais pas ce que ça va donner sur la suite de la saison, et ça m'intéresserait, ça me plairait. C'est des joueurs plutôt agressifs qui jouent pas très loin de leur ligne. Donc c'est ça, c'est mon top. C'est mon top de dire tactiquement... Est-ce qu'on a une explication à ça Ce début, alors je ne sais pas si on peut dégager une tendance hein, sur ces trois tournois, mais c'est vrai que c'est... Ben, non mais on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Si tu as un bon service, que tu joues sur toutes les surfaces... Ben, ton oui, mais peut... ce n'était pas là. Ouais, mais, t... avant. Ouais, mais... Ouais, je suis, je suis d'accord. Mais là, bon, peut-être qu'ils ont bénéficié aussi de, tu vois, de, de circonstances. Mais en attendant, tu as trois joueurs qui jouent Urcash Shelton Berrettini, C'est plutôt des joueurs en... Allez, on va dire, 3-5 frappes maximum. Euh, quand tu vois les vainqueurs de, 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 Sud de la tournée sud-américaine, c'est plutôt en 7-10. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est ça que je trouve intéressant. Voilà, moi c'est le top. C'est mon top pour le jeu. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Le flop de Benoît Mélin s'appelle... Daniel Collins. Ouais, bah, bien sûr. <laughs> non, mais, quoi, non, mais, la, mais bon, Vous êtes surpris bah, Bien sûr. Vas-y, ouais, bah, développe. Bah, elle a perdu que trois jeux. <laughs> ouais. C'est nul. Moi, je pensais qu'elle allait lui mettre deux roues, mais ah. elle allait repartir en vélo, la, la, voilà. la Casa de Kina. Alors, je, voulais, je voulais en parler parce que sinon, non, on n'allait pas en parler. Elle, elle, elle a joué donc Miami elle enchaîne avec Charleston, Dur, Terre américaine. Ah. Rapide, mais quand même, c'est de la terre. Quand même pas une joueuse de, de terre battue, là, la Danielle Collins. La fille, elle joue, joue 28-7 hein, en tout sur ces trois semaines-là. Elle en perd deux. Elle gagne ses deux titres d'affilée, mais personne n'aurait pu imaginer ça il euh, y, y a trois semaines. Incroyable. Que Danielle Collins fasse ça. Elle est euh, 4, quoi, 15e ouais c'est ça, 15e mondiale. Elle était 53e avant Miami. Euh, et, 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 et je me dis mais c'est fou quoi la confiance qui doit habiter Daniel Collins mais après voilà c'était aux états unis près de chez elle Miami ça doit être aller à 300 bornes de chez elle Charleston on va dire 600 bornes c'est un peu plus haut bon, enfin voilà mais j'avoue que j'ai envie de la voir parce que je me dis elle va arriver quoi Comment, dans, dans quel état d'esprit ouais. elle va arriver là En Europe. Tu vois en Europe bah, avec Roland Garros, c'est sûr disant, mais, mais... pourquoi Puis surtout, n'oublie pas, en Europe, et, et tu le sais pertinemment, pour les Américains, cette tournée Terre est très compliquée, parce qu'elle est très longue. Autant nous, les Européens, quand on va faire la tournée en août. Euh, nord-américaine et américaine est très longue là c'est l'inverse pour les américains c'est très long et très souvent ils ont du mal à, à enchaîner et à tenir elle va arriver donc euh, Madrid Rome Roland donc ça fait quasiment un mois et demi voire deux mois sur le sol européen est-ce que dans la tronche elle en est capable à voir bah je dirais oui puisque elle l'a encore dit ce sera sa dernière année donc c'est vraiment ses derniers déplacements et puis même tu vois dans ces confs d'après euh finale ou même pendant les tournois, la fille est beaucoup plus ouverte qu'avant, parce que c'était vraiment euh, la femme de lecteur. Hein, donc elle ne s'ouvrait pas, elle, elle mangeait un foie de veau direct. Mais <laughs> là non, elle, tu vois, alors, là, euh, Miami, c'était la tenue. Tu vois, j'adore la tenue que j'ai là en ce moment, je me sens super bien, un peu Wonder Woman là-dedans. Bum, je gagne tout, hop, elle arrive sur Charleston, et puis là, elle nous parle de... de elle remercie euh, Mister Q. Alors, je me dis, mais. C'est qui Mister Q C'est James Bond, c'est le, son... le mec qui, qui crée les, les gadgets, là. Tu sais bien Foot là, Mister Q. Et elle dit, ouais, c'est mon chien, Quincy, je l'adore, il me manque, je suis pressé de le retrouver. Et en fait, et elle, elle dit, je sais que les gens euh, trouvent mon comportement bizarre sur le cours, mais parce que c'est encore, encore plus dingue qu'une Charapova ou des trucs comme ça, mais c'est des filles qui, qui, voilà, qui sont complètement fermées, quoi. Et, et petit à petit, voilà, peut-être que cette fille prend. Peut-être un peu plus de plaisir, parce qu'en plus, elle gagne, c'est sûr, mais c'est la dernière année, quoi. Donc, allez, on s'amuse, on s'éclate, et puis son tennis, enfin, merde, la fille, elle est, elle est injouable. Elle est injouable. Moi, je veux voir ce que ça va donner. Là, mais vraiment, hein. parce qu'elle va arriver, les autres vont avoir un petit peu peur, quand même. Je hein. sais pas. Bravo, Daniel Collier. Est, elle est quatrième à la elle, ouais. Elle nous fait du Viatek. Et pourtant, non. Le flop de Julien Varlet est masculin, il s'appelle Baez. Oui, non, mais c'est un petit flop parce que on l'a pas vu, c'est passé inaperçu. <laughs> mais bon, il menait quand même 605-2 contre contre, contre 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 Stroll hier. Bien sûr, c'est illisible. Et euh, bah je trouve que si ça sort, fera plus fort. Hein, donc euh, il n'est voilà. pas là, puis d'un coup il va te faire un tournoi. Mais dessus. ouais, le pauvre Baez, qui qui ben voilà était énorme sur la tournée sud-américaine. On l'attend bam premier Masters 1000 de la saison sur terre. Tu dis 605-2, c'est bien. Il était 18h30, 19h, tout roule. Boum 5-3, 5-4, hop, 7-6, 6-1, il a fini par perdre. Euh, 6-2, 6-2, 7-6, 6-2, donc euh, voilà. C'est le, le flop et je suis déçu pour lui parce que mine de rien. Est-ce aussi il n'y a pas un truc où le niveau, effectivement, sud la tournée de la tournée sur d'Américaine, et quand sous. on arrive sur le, sur le Masters 1000, et pas peut-être un petit peu… Sous. et Mais Tu joues que des mecs, il a... il a joué que des mecs qui jouent comme lui. Et dans cette filière-là… Il est meilleur. Maintenant, là, on est quand même sur terre, il joue, je trouve. Ouais, 6-5-2. Il... Oui, non, mais je suis d'accord, mais après, c'est un joueur qui sert très fort, qui donne peu de rythme, mais je ne dis pas que c'est une faute professionnelle, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs, mais voilà, c'est mon petit flop et je suis, je suis surtout déçu pour lui parce que tu te dis, bon, avec la tournée qu'il a faite sud-américaine, il arrive sur le Master Mill, j'arrive à bloc, c'est ma surface, tac, bah non. D'autant plus qu'il l'a il précisé euh, euh, qu'il n'avait pas... Il, il pas Jouer les tournois avant, parce que logiquement il peut aller à Estoril, à Marrakech. Il avait décidé de ne pas le faire pour, être... pour arriver à Monte Carlo, être le plus près possible. Quoi. Ouais, bon, elle doit faire mal cette défaite. Ah ouais Ah oui, à, à, ah, bah, il... à 6 1 2 On 6, aurait pu 5, mettre public aussi euh, en ouais. flop. Ouais, Allez, hein. Tu nous avais prévenu hier en plus, hein, Benoît, bah, il hein, nous a que public fait... à Monte Carlo. Il fallait... Non mais, mais il n'avait pas envie de jouer. Hein. Ah, ouais. Non mais après, c est, c est, Alors, pourtant moi je pensais que ça allait beaucoup mieux, mais je pense que. Bah, y a... En plus, il habite là aussi, lui. Ah oui, mais il nous a dit de ne pas toucher a, à Biblique a... à Monteca. Non, mais il y a un truc, parfois, ça, je pense que ça se touche un peu. Poum. Il n'avait pas... Oui, pas envie de jouer. Envie. Voilà. On termine avec les pronostics, OK? Trois résultats, vu que ça fait une heure que ça joue Ouais, juste euh, le premier set a été pris par Félix ogé Yassim face à Nardi, 6-2. On a Popirine face à Corentin Moutet. Moutet qui a le break 4-3 dans le premier set. Dis donc, Corentin, il nous fait une... des belles semaines. 4-3 mais il, il est midi, ça fait ouais. une heure qu'il joue déjà. Evans, euh, il est en train de se prendre une torche contre Hoffner. 603-1 Hoffner. 603-1. Match à regarder sur enfin, alors, Winamax ça, ça, TV. C'est surprenant. Et, et, et juste avant de partir dans les, les, les matchs du jour, la défaite de Taylor Fritz a des conséquences, hein, puisqu'avec Shelton qui a gagné à Houston, quoi qu'il arrive, Shelton sera numéro 1 américain lundi prochain, puisque Fritz perd tous ses points de Monte-Carlo l'an dernier. Il a fait Donc, quart euh, Quart demi Demi. Hein, demi. Hein. demi. Et, euh, et, et donc euh, uh, Shelton sera euh, 14e mondial devant Fritz, qui pour l'instant est 15e. Et il n'y a pas Tiafo, il n'y a pas Tommy Paul. Les Américains en général, la Terre-Battue à Monte-Carlo, ils n'aiment pas trop. C'est pour ça que je dis que la, la, la tournée est très longue, donc ouais. il arrive un petit peu plus et, tard. Et le seul qui qu 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 vient, et qui traditionnellement vient toujours, c'est Corda. Et même si Corda, Corda parce qu'on n'en parle jamais, mais imaginons, Corda gagne le tournoi avec son tennis complètement génial aussi. Si Corda gagne le tournoi, il n'arrive même pas à dépasser Shelton. Il serait derrière, ce serait Shelton 14, Fritz 15 et euh, Corda, Corda 16. S'il gagne le tournoi. Hein. Avant de passer au pronom, on a beaucoup de réactions, parce qu'il a euh, évidemment vous suivez euh, les matchs, vous aussi, parce que vous pouvez faire les deux mètres sans filet et suivre les matchs sur Winamax TV. On a beaucoup de réactions sur le match de Corentin Moutet. Mida, Mida nous dit « Moutet est rentré dans la tête de Popirine entre annonces de faute, service cuillère et coup fantastique. C'est à mourir de rire. Vive Corentin euh, !»« Coco joue très bien, nous dit Shaimin. Eh bien, bah, régalez-vous de voir le qualités. match de Corentin. » Il s'éclate. Il, 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 joue. Refaire son revers et tout, il joue avec ses qualités. Et, et, et juste comme ça, pour préciser, pour les Américains, ça n'a l'air de rien, hein. Mais les sésames pour les Jeux Olympiques, pour aller jouer Roland Garros sur terre battue fin juillet, il va y avoir une pouille de dingue. Hein. Oh, les Am ils, peut ils se battent peut-être pas. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr que les Américains se battent pour revenir. T'imagines Pour les Jeux Tu penses mmh, Je dis pas comme toi, Benoît. Étant sur terre à Paris, ça sera à Atlanta. Voilà, ils se dépouillent. Mais à Paris, sachant qu'en plus, faut pas oublier que le circuit continue. Tu les JO, mais cette semaine-là, tu as Washington. Ouais. Et ben alors, je te, hey, je te ah la oui. mets en mille. Les Américains ne se battent pas tous pour jouer les JO. C'est une certitude. Ah bah merde. Ah bah, tu verras. On va parler des matchs à suivre de la journée à Monte-Carlo. A commencer par Arnaldi, opposé à Nagal, sorti des qualifications qu'a sorti Koboli et Diaz Acosta en qualif. Premier pas sur terre pour Arnaldi cette saison. Premier duel contre Nagal. Il est à 1,38 Arnaldi, Nagal à 2,90. Bah Nagal déjà euh, qui sorte Diaz Acosta et euh, pour sortir euh, des qualifs et comme tu l'as dit, Coboli d'entrée. Nagal, euh... attention. Moi je pars sur, à 2,90 je pense que le 7 est intéressant, je pars sur le 7 de Nagal. Parce que là, ça peut être très équilibré, même si Arnaldi joue extrêmement bien depuis le début de, de saison, mais euh, sur cette surface... Un le, le 7. Un 72, tu vois, c'est même mieux que la victoire d'Arnaldi. Moi je pars sur la, le 7 de Nagal. Surtout qu'on rappelle que c'est le premier tour pour Arnaldi, les premiers pas sur terre pour Arnaldi ah cette euh saison. Ouais, 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 complètement. Après, la victoire semble un petit peu lointaine, mais, mais le mec, il, sort, il doit être gonflé à bloc, là, avec ses deux victoires en qualif. Et il joue Arnaldi, tu vois, c'est pas. Ouais. Euh, oh merde Non, Arnaldi, tu te dis, bah attends. Une note quoi. Le 7 de Nagal, 1,62. Ah oui, oui, moi par, je suis. Euh, voilà. Je juge là-dessus, ouais. Francesco Serrandolo a lui hérité de Altmaier, le key loser Altmaier qui avait perdu contre Corentin Moutet en qualif. C'est l'Argentin qui reste sur une victoire contre l'Allemand en 2022 sur Terre à Hambourg. Il est favori. C'est une jolie cote de Francesco Serrandolo qui nous a un peu déçus en ce début de saison. Et Altmaier à 10 1,68, oh, Serrandolo. Il s'est bien repris chez Rondolo. Moi, je pense que Altmaier. Passe pas, hein. Ah ouais? Ah ouais bah, moi je vais partir sur Altmaier. Tu pars sur Altmaier? Ouais. Le kill loser. Parce que, ah, je le dit. Dit, je répète, je ne suis pas sûr que la surface de Tyrone soit peut-être la terre. Lui, pour le coup, je... même s'il a joué la tournée sud-américaine et ça a pas trop mal ah. tourné, mais sans être fabuleux, moi je pars. Même si Altmaier a perdu, la lui, kill loser, et ça, sa surface, quand même, c'est là où il a ses meilleurs résultats, Altmaier. Moi, je pars sur, sur la victoire de Altmaier à 2-10. Oh, bah alors attends, merde, s'il si se prend 2-4 contre Corentin Moutet, et qui joue Francisco ouais. Serondolo. Benoît, Benoît, tu sais pertinemment que chaque jour, chaque jour, ça peine, chaque adversaire est différent... Ce serait pas match, le premier lucky le, Loser Et Benoît, le nombre de fois... Non, non c'est pas non plus toujours. Les mecs qui perdent un dernier tour de la qui rejouent bah oui. le même joueur le lendemain, parce qu'ils sont Lucky Loser, et qui arrivent à passer, je peux te dire qu'il y en a. Donc je partirai pas aussi confiant que toi ou le 7 d'Altmaier peut-être pour être prudent euh, un peu plus pas. prudent même pas j'y crois je... même pas t'y crois le 2-7-0 Sandolo pour Benoît euh, Mélin on va parler maintenant d'un match bon euh, rapidement euh, Dimitrov est-ce que Vacheron peut faire quelque chose contre Dimitrov c'est une première évidemment hein. non je pense pas ouais, même, si euh, dit, même si j'ai dit qu'il bah, euh, euh, avait du mal à, quoi, à voir s'il va tout de suite retranscrire mais bon surtout euh, le grand Dimitrov qu'on qu je... a depuis il euh, aime ouais, la terre il aime cette surface quand même euh, 2-0 déjà... Dimitrov, même le 2-0 Dimitrov. Ça, ça peut être 1-30. Euh, 1-31. Il, il, il s'y ouais. entraîne tout le temps. Hein. Il vit là-bas, il quoi, vit à Montecarlo. Hein. Donc, euh, non, non, je. On a toujours l'habitude de ça hein, Monaco, Volcar, à Monaco, d'avoir une Walcar monégasque. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, Valentin Vachereau est peut-être le, peut hein, le, le, le joueur monégasque. Qui est, est peut-être le plus dangereux de, de, depuis les dernières années, là, sur les mecs qui sont invités. Et attention, il euh, y a eu des bons, hein. Non, mais attends, je veux te dire, celui qui était dangereux, c'était JR, Lisnard. Hein. Oui, oui, et oui. ça remonte dans les années. Et JR, est, il, a année 80, en de, il a dû arrêter en 2007, 90, ou 2008. 2008. 90. Année 90. Okay. Fin hein? 90. Mais non, de, il a arrêté. Non, en 2000. JR, et, JR, il a été 80 dans les années 2000. 2002, 2003, 2004, 2005. Donc, euh, ah, c'était si tard, que ouais, ça, ouais, ouais. Pour, Pas de souci en fait. pour Dimitrov autour de toi ta Mais... euh... ah. Moi, je me suis amusé avec un tie-break. Ah oui, tu vas ou alors on peut chercher le nombre de jeux de Vacherot si tu veux. Parce que euh, ils sont comme des dingues les mecs, hein. Et euh, là, tu joues Dimitrov, tu t'éclates. Il est en permanence sur le circuit Challenger où il obtient des résultats absolument incroyables, Valentin Vacherot. Donc le mec, il n'a jamais joué senti la balle comme ça de sa vie et il joue Dimitrov mais c'est la fête c'est la fête au village hein. il, y a, il y a tous ses potes il y a toute sa famille non mais c'est vrai ça attends, la fête dans la principauté mais c'est super important en général le mec qui va s'entraîner à Monte Carlo il y a personne là c'est blindé il y a Dimitrov c'est la fête premier tour je suis invité je m'éclate quoi je joue le tennis de ma vie tu peux très bien il faut que Dimitrov à un moment euh, voilà il faut il t'habituer faut à ton adversaire et les, les sensations les conditions et qui est d'accord je vais vous mettre le plus de 6,5 jeux pour Vachereau à 1,46. Oh, c'est pas mal. Ouais. Est pas mal. Ouais, parce que Zahir ne va pas ouais, faire oh, prendre 2 oh. et deux non plus. Quand même. Parlons ouais. maintenant de Stefanos Tsitsipas, 20 en 2021 et 2022, qui va débuter contre Djéré, joueur qu'il a toujours battu. Ils se sont d'ailleurs à Monte Carlo en 2022. Tsitsipas s'était imposé en 2-7. Tu as, ouais. as peur de ça, toi Djéré ouais. ah bah, sur Terre, c'est sa meilleure surface. Hein. Donc même s'il fait il pas des études. Il va être Fabio. Mmh. Mais moi, 3,10, je pars sur le 7 ou le nombre de jeux. Le 7 de, de Jerry. C'est fou, on est arrivé avec Non, 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 parce que pour moi, de... moi c'est un très très bon test pour Tissipas, savoir s'il va réussir son tournoi ou pas. S'il gagne facilement, ça veut dire qu'il est, il est prêt, il, il, il est bien pour, pour jouer sur, sur, à, à, à Monte Carlo. Si c'est un match galère, ça ne veut pas dire qu'il soit vraiment prêt, mais je pense que ça peut être un match galère, donc je pars soit sur le nombre de jeux, parce que ça peut être un match euh, 21,5 ou 22,5. 20,5 à hein, c'est déjà très beau. Très bien. Ou le set de, de Jerry à 1.92. 92, oh. nos parieurs y croient aussi au de gérer. Je partirais peut-être plus sur le nombre de jeux, tu vois. Benoît Non. Stéphano. Tu fais quand même confiance à Stéphano. Même pas, pas, pas le nombre de jeux non. Bon. Enfin, c'est quoi Qu -ce Si tu si, c'est intéressant. C'est le bah, 58 le plus. Un 58, de 20. il a 26. Ah. Le Gaëtan, plus de, le plus de. 20,5. 20, Gaëtan du 44 nous dit oui, si' passes, on y croit de moins en moins. Vraiment, mais on le met, on se met à douter d'un... Même euh, si Jerry reste dangereux mais bon. Euh, ouais non, puis même ton plus de 20,5, il 4 met mets 4 3 et 4. Euh, non, non non non, moi je me suis pas. Je reste sur titipasse. Titi passe. Titi passe à 1,26. duel 100% français maintenant également au menu Benoît entre Fils et Manarino. Oh, trop trop trop. Première sur terre l'an dernier, c'était joué sur le gazon d'Ertogenbosch. Manarino s'était imposé. Là on est sur terre, c'est différent. Et la cote de Manarino, il est à 4,30. 1-20 Arthur Fils. Il faut, faut aller sur le set de Manarino. Peut-être, ouais. ouais, ouais. Parce que... mais je ne vois, vois pas perdre Arthur Fils contre Adrienne. Mais à part si une année, Adrienne avait quand même fait 8 e à Monte Carlo, rappelle-toi. Il, il a, a deux a... Le Il n'avait de pas battu Joe d'ailleurs, ou un truc comme ça Si, je crois. Et il fait 8 e On 8e. en a parlé dans une des dernières C'est peut-être son seul bon résultat sur Terre battue pour Adrienne. Mais je, je pense, ne vois pas Arthur Fils cas, nous dis sur Twitch ce que l'irrégularité de Fils ne peut pas permettre à Manarino de bah, au moins pour au moins tu vois son set il a combien t'as dit il a deux ben, au moins le 7, euh, il ah, je suis le 7. après il y a tellement c'est comme c'est comme Luca Vanaché, hein, qui a perdu d'entrée là contre Altmaier en qualif euh, et Arthur Fils tu te rends compte que n'y y arrivent pas quoi ils n'y arrivent pas parce Mais... que je pense qu'ils sont tellement attendus avec cette pression de dingue où les mecs faut qu'ils gagnent il faut qu'ils gagnent il ouais. faut qu'ils gagnent pourtant il y a pas il y a pas il a pas que ça Benoît il y, y a aussi le fait qu'ils ont très bien joué la saison dernière. Ils étaient pas connus. Ouais, et maintenant ils sont Faut connus. gérés, ouais. Non mais surtout. Bah, elle, elle attendu, quoi. Non mais surtout c'est que et il y a tellement de data qui existait tout ça. Mais les mecs maintenant ils préparent leurs matchs. Ils les visionnent. Ils voient comment ils jouent. Manaré lui sait même pas qui joue fils. Oui, peut-être. <laughs> ah, c'est pas faux. Mais, mais tu, non mais tu vois ce que je veux dire Oui. Il y, y a cette fameuse. Alors soit t'es un, es, es, es un extraterrestre. et t'envoies direct, mais là, et ben, ils sont confrontés où, ben, les mecs, ils savent comment ils jouent, ils savent comment les aborder. Et à un moment ou un ben, va falloir attendre un tout petit peu que ça se mette tout ça se mette en place. Pour moi, c'est mon centre. Après, Manarino, je l'ai toujours vu. Hein, Monte Carlo, il vient, ouais. il va s'entraîner sur les petits cours en haut, en marchant. il, en ouais, il sert de sparring pour les est autres Français. Il n'est pas du tout à fond. Là, il joue quand même le double avec Dublik. Te dire, euh, si biblique, veut bien jouer. Tu, tu, reçuis, parce qu'il y a de l'argent à se faire. <laughs> en, ouais, rigolant, en rigolant. Ouais, mais, ouais. en ah, non, mais, mais ça, sein. il y va. Il, va. il va faire le pitre. Ah, il va prendre ouais, ils son sont billet. contents, ils perdent, ils, ouais. ils gagnent, ils s'en foutent, ça fait un billet de 10 000, ils sont contents. C'est clair. Mais, mais, mais voilà, tu, 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 ils, ils sont pas là pour se préparer, pour s'entraîner, pour dire la terre et tout. Manarino, il le sait. Et il l'a même dit, pour les JO. Euh, si même pas aussi, Mais alors, si Arthur. Ça ferait tâche, ouais. Père. Ce serait une grosse. Ah, voir le. à la physionomie du match. Hein, mais euh... bon. Le 1 de Fils c'est quand même un peu bas. Un peu bas. 7 d'Adrien. Le 7 d'Adrien ouais. à 2. Important. Benoît, ouais. Benoît. Ouais, tu, tu suis le 7 d'Adrien. On va parler maintenant de Mounard, qu'on adore dans cette émission, qui sort des califs et car on rendez-vous ouais. que sa Fioline, nos parieurs sont très partagés. Ah. Première, grande première, ils savent pas sur qui aller là. Bah, il s'est fait quand même un match de plus de 3 heures contre Hantman, hein, le Mounard, pour sortir des qualifs. C'était hier. C'est du petit déj, lui. Euh, c'est du petit déj, de... le Mounard. Il, faire... il peut te jouer une semaine non-stop. Safiouline, il est pas là pour faire du ouais, mais euh, faire je, le repas. Lui, il va prendre des risques. Je partirais peut-être sur une victoire quand même de, de Mounia parce que Saffouline longue. Ouais, il va faire plus de fautes. C'est un joueur qui joue beaucoup plus tendu, qui va agresser plus, qui peut peut-être faire un peu plus de fautes. L'autre, au contraire, bah, alors lui, il va les jouer. Les diagonales, je peux dire, il va se mettre très loin. Et il va lui remettre la balle. Et à un moment donné, peut-être que Safiouline peut. Et puis Safiouline, c'est temps, on peut pas dire qu'il est quand même très bien joué. Hein. Non. Donc, je ne vois pas pourquoi il viendrait battre un spécialiste de terre battue là. Euh, je... Mounard en 3-7. Moi, je verrais ouais, plutôt Mounard. Le set de Safuline. On va parler d'O'Connell maintenant, lui aussi, qui est sorti des qualifs. Deux matchs en 3-7. Et au premier tour du tableau principal, il affronte Tabilo, première sur terre. Ils sont joués en qualif d'Indian Wells l'an dernier. Tabilo s'était imposé en 3-7. T'as le tableau des qualifs, il a battu qui O'Connell O'Connell bas au premier tour Maximilian Marterer. En deux heures – Et après, Vukic, 7-6 au troisième set. Il était mené 5 points à 2 dans le tie-break final et il aligne les 5 derniers points. Beau. Beau. Euh, Tabilo. Tabilo, 1,56. Hein, Beau, ouais. mais Tabilo. Tabilo, en 2 7 même. Tu vois, pour monter la. De toute façon, ma cote ne veut pas afficher la, la cote de O'Connell, ah, tu mince. vois, à 2,35. Ben moi, je vais sur sur Tu vas ouais, sur sur à 2,35 Non, non, non. Non 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 no, 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 que ça joue pas sur un cours il et que O'Connell euh, il joue pas, euh, J'adore son pas sur mais hein. son j'adore. Ah, Revers mais moi, j'adore. no, mais no, ouais. no, n'oubliez pas. Ouais ouais. ouais no, une... ouais, no, <laughs> ouais. mais, mais, mais rentrera pas dans le combat du fond avec, euh, Tabi... et Tabillo, oui, Tabilo. Oui, bien sûr, mais moi, je vais ça, sur O'Connell. Moi, 2,70, no, 2,70, Tabilo pour euh, Tabilo no, Alors, no, c'est à 2,20, le 2,70, no, euh, ben, Je pense que... Moi, c'est ma surprise du jour. Bon, la tablette ne veut plus rien entendre. Non La tablette Je n'y peux rien. Euh, nous allons parler d'Hugo Humbert maintenant, qui va débuter contre Korea. le qualifié Coréa. Grande première entre Hugo Humbert et Coréa. Oh. C'est dangereux Ça, bah, ça c'est le traquenard. Rappelle-toi l'année passée, Sonego. Hein. Rappelle-toi Sonego, l'année mmh, passée. Moi, j'y touche pas, ce match. Combien 2,90 Korea, eh ben, Hugo Humbert 1,39. Moi, je pars sur le 7 de Korea. Mmh. Nos parieurs vont tous sur Hugo amber. Ah ouais, mais euh, au moins le set de Courtyard sur terre. pour oh. Alors même s'il a mis des belles photos, il s'est préparé à Biarritz sur terre et tout ça avant d'arriver. Il avant a mis Técard. des belles photos. Bah oui, la, la vie, il a mis des belles photos. Je te dis, il avait l'air, il était bien Biarritz, s'est entraîné au BO. Mais euh, le set de Courtyard, c'est pile, c'est un mec qui joue loin de sa ligne, qui fait pas une faute, qui s'arrache, qui joue pas trop vite, qui joue surtout pas à hauteur de hanche. Pour que pour que Hugo vienne prendre la balle la balle au, euh, quoi en avançant en... Oh, non 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 le set de Coria moi je oui, ils sont tous d'accord avec toi euh, Coria passe même pour Castille sur euh, YouTube match piège par excellence nous dit Only Shade drops sur YouTube également le set de Coria pour Julien oh. Varlet Benoît Mélard va mettre ce match de côté Oupsou. il va préférer Coria qui bat euh, donc Shefchenko au premier tour des qualifs Chevchenko C'est pas... et après Arthur Underknecht donc, Hugo Imbert, qu'est-ce qu'il en fait J'en sais rien du tout. Katchanov, Nori, ça, on va en parler trois partout dans les affrontements. Katchanov qui reste sur une victoire à Roland en 2022. Il est à 1,70, Karen Katchanov. Cameron Nori à 2,10. Karen Katchanov, Cameron Julien Varé. Moi, je, je pense que Nori, il a eu son pic. <laughs> Et que, en ben, carrière Ouais, il, oh non, non, ouais et que maintenant tout le monde sait comment il joue, ils sont plus surpris. Effectivement, c'est un... Il, pour... il aurait pu jouer une heure germinale, non rien, hein, des mineurs de fond. Alors là, il n'y a pas de souci du côté de lance il descendait oh, à la mine. Hein. Norie. Ah non, est mais c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai, vrai. Tu sais quoi, j'avais été voir... C'est peut-être dur. Il avait joué quand j'entraînais Constant Lestienne à Marseille, j'avais été le voir jouer. Je pense que sur les quatre premiers jeux, il n'avait pas centré une balle. Il faisait que des bois. Alors après, ça rentrait, mais j'ai l'impression que. Bon, bref. Mais je. Katchanov. Un 70, ouais, une très jolie, Kat. En plus, oui, ou ouais, effectivement, un 70. Je pense qu'il a atteint son pic et que maintenant, il fait moins peur, il fait moins mal, même s'il s'arrache, même s'il se, dép... se dépouille. Mais Katchanov. Ouais. Il y a quoi, là, comme repère sur t Terre un des deux, là Un double pour Katchanov hier. Avec Rublev. <laughs> ouais, <déjà. rire> Donc, l'heure-là, là, c'est pas du tout. Benoît ne se prononce pas non plus ah. sur Et ce match. Ce sera Katianoff, Fallen 79. a quand même sa régularité ces derniers temps. C'est toujours quart, demi. Hein. Il passe pas au travers maintenant. Donc, euh... Mais tu vois, une fois de plus, je reviens sur ce que je dis toujours Monte-Carlo, pour moi, est le plus beau Masters là, Parce que tu as tout de suite as vu comme c'est tendu les, ah ben les, les premiers mh. matchs. Et ça, c'est fabuleux. Voilà, bref. Merci beaucoup, merci Julien, merci Benoît, merci à tous de nous avoir suivis pour ce mag spécial monte -Carlo. Pas fait tableau. Ouais, Il a pas fait son tableau Comme Mais j'avais pas fini ah il me saute dessus, là, comme ah ben non, des ouais. loups affamés. Et attends, j'ai fait la route hier, ton tableau, ton tableau, ton tableau, euh, je l'ai fait. C'est vrai que tu as été pressé, tu as été pressé de faire ton tableau. Nous allons donc pouvoir maintenant passer tranquillement au pronostic tableau de Julien Varlet. Nous avons fait hier avec Benoît et Julien Pichenet les tableaux. Alors le tableau de Julien Pichenet, il, en a, il a pris du plomb dans l'aile avec mais... la défaite de Baez. Ils mettent tous les deux à... vainqueurs, Carlos Alcaraz. Il l'avait mis loin Il bat basse pour Julien Pichonel. Oui, donc il était au moins au quart en demi. Alors vas-y, mon juge, on t'écoute. Donc, en haut, premier quart, Djokovic, demi-nord. Pareil. Euh, pique... En dessous, alors après, j'ai fait, fait sans la douleur au bras, on verra. Alcaraz, Urkash. En Pas dessous, pareil. Zverev, Medvedev. Pas pareil. Un classique. Rune, Sinner, en bas. Okay. Première demi, demi-nord, Alcaraz. Mais pourquoi tu vois Dominor Mais parce qu'il joue monstrueusement bien ces derniers temps. Et tu vas voir, Djokovic peut faire exactement les matchs qu'il peut faire de temps en temps. Monter Carl, il va jouer contre un mec qui va lui remettre la balle, lui remettre la balle, lui remettre la balle. Et il peut faire un max de fautes parce qu'il ne sera peut-être pas encore prêt. En plus, il était trop content de sa surprise. Il m'a regardé Dominor avec ensuite jeu qui Donc, Dominor jouera contre Carlitos, Alcaraz, parce que le bras va bien et que voilà. Ensuite, Zverev-Sinner. Puis là, ça va être rude, qui va se faufiler à la place d'Alcaraz. <laughs> Zverev-Sinner. Okay. Une finale Alcaraz contre Zverev, okay. qui aura battu Sinner. Vu que Zverev était mon favori, mais je mettrai Alcaraz en finale parce qu'Alcaraz aura toujours plus de mains que Zverev. Alcaraz, euh, vainqueur. Al vainqueur. vainqueur Al Donc d'accord avec Julien Pichnet si S'il n'est pas blessé, Mellin. Ouais. Oh, vous imaginez s'il prend monte là Il serait sur la même lancée que Rafa Nadal. En 2007. Et donc, c'était quoi tes demi Car Australie, Car Miami, vainqueur Indian Wells. Euh, Joko Alcaraz et Zverev Rune. Non, mais vous êtes tous les trois sur Carlos Alcaraz. Rune, Alors, moi, pas le Rune, Rune en finale, action. comme l'an dernier. Ouais, mais... Et au lieu de se faire euh, parce qu'il me naît 5-2 dans le troisième set contre Rublevin l'année dernière en finale, euh, on est... Ouais, après plus rien plus personne. D'accord. Écoutez, pour une fois que vous êtes d'accord sur le nom du futur vainqueur de Monte Carlo… – Et là il va faire trois jeux abandon. Bon, même, il ne <laughs> peut-être pas monter sur le terrain. C'est la prophétie, c'est ça. Bon, merci à tous d'avoir été avec nous. Et demain, et demain Merci à Benoît. Ils sont trop pressés, c'est dingue. C'est moi qui donne le thème. Mais parce que demain, qu'est-ce qu'il y a demain Demain, il y a, une, y a un, énorme, un énorme invité. Et en plus, il reste pendant une heure avec nous. Mais ça fait une semaine qu'on est. bat. De toute façon, on va pas parler tennis, avec on va faire ça. du ping pendant non, une heure. Bah non, on va pas parler tennis, c'est Monte-Carlo. Bah, bah, moi, je, vient... joue, je, je, je joue avec lui. Simon gozzi est avec nous demain, à partir de 11h, pour parler de Monte-Carlo. Et ensuite, il y aura défi au mini-ping. Bah, face à Julien Varlet, Benoît Mélin, moi-même et... Julien Picheney n'a pas résisté. Hein. Il va venir aussi. Mais juste pour le mini-ping, euh, Julien Picheney. Il fait un aller-retour pour le mini-ping. Donc demain, 11h, émission avec Simon Gozzi. En attendant, vous téléchargez cette émission en podcast. Vous mettez des pouces sur YouTube. Et nous, on va vous laisser vivre une très belle journée à Monte-Carlo le devant les matchs ouais. sur William Max TV. Ouais, c'est bien. Demain, 11h, avec Simon Gozzi, Carpa Tennis. Euh, bah, sans les pouces Sans les pouces il y a sans pas les pouces, attends. Tiens, faut que je te montre un truc d'ailleurs. Toi, ton pouce Garde mon doigt. Quoi, bah quoi bah En fait j'ai voulu arrêter une balle mais... Oh tu t'es cassé Je crois. Ah, je crois. C'est je le truc il est comme il ça a ouais, pas ouais, mal. Ouais, je crois. Non. Non. non mais en fait j'ai pas mal mais je crois que mon doigt est pendu. T'arrives plus à le remettre non, non. non mais, non. mais je, en fait je, je me suis cassé le mais mais eh, Quand tu le regardes il est quand même pas terrible et quand tu regardes comme ça il est... Mais bon bref bah, j'ai voulu arrêter une balle comme ça et... Bah, T'as dingue. Dingue. Les, les doigts aussi épais que mes cuisses. C'est Allez ciao à tous